J'adore chasser. Tu vois le... Les oiseaux là-bas. Hop, un. Lui il va voler. Regarde, je vais l'avoir dans les airs. Nous scope. Non mais après faut laisser la nature un peu vivre. Sinon tout le monde c'est chiant quoi. C'est après comment ils se repeuplent les pauvres. Mais fait de la musique d'accordéon. Putain, qu'est-ce que c'est? C'est où tout ça en fait? Ah mais c'est en fait c'est les... C'est les genres de légendes. Non. Il va pas faire ça. 12 seconds later. Scène sur le pilier de pierre. Un parcours du monde. Alors, qu'as-tu pensé de l'œuvre de mon maître? C'était un chien de ouf. Tu peux me laisser jouer s'il te plaît? Oh. Ta gueule. Laisse-moi partir ici. Ah! Hat! On est d'accord. La prochaine fois, c'est ça dans la teuté, hein. Je te fais exploser la gueule. Tu rechanges, je te fais exploser la gueule, ok? Vas-y, rechante pour voir. Rechante pour voir, mon gars. Rechante. Vas-y, refais de l'accordéon. Tu refais? Tu refais, là? Ah! Je t'avais prévenu. Ok, mais vous, j'ai un peu la flemme de m'occuper de vous, les gars. Moi, je vais juste monter là-haut. Plus, plus, bro. Y'a forcément un truc là-haut. Forcément un coffre ou une connerie de mogu, je sais pas quoi là. C'est pas une plante qui aurait... Oh la pomme! Alors... Où c'est? Normalement ça aurait dû être là pourtant. C'est embêtant, je le trouve pas là. What the fuck, il m'attaque? Il y a un truc à faire avec les troncs d'arbres, non? Attends, je vais mettre ici, je vais peut-être mieux voir un truc. Ah, il y a des lucioles qui arrivent là. Est-ce que c'est un gigabait en mode... ils te font croire que c'est là-haut et c'est pas du tout là-haut? Non, le jeu se fout de ma gueule, clairement là. Mais je l'ai pas, je comprends pas ce qu'il faut faire. Il y a trois troncs d'arbres. Oh, ça me rend fou. Trois troncs d'arbres. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse, bordel de merde? Je sais absolument pas quoi faire. Là, il ne marche plus. Vas-y, on va faire tout le tour, je m'en bats les couilles. Je vais tuer quelqu'un. C'est vraiment genre là, en fait. Est-ce que j'ai int le jeu en tuant les arbres? Trois arbres. Qu'est-ce qui est lié aux arbres? Les pommes, bois, branches d'arbres. Je brûle la branche d'arbre. Voilà. Elle est en train de brûler. On est marre, il se fout de ma gueule. J'ai l'impression qu'il y a une grotte en fait. T'imagines, il y a une grotte? Wait. Il y a pas vraiment une grotte, on est d'accord? C'est pas possible, on est d'accord? Est-ce que j'ai int en détruisant les arbres? Ça, ma question. T'es où? Je dois taper partout. J'en ai marre de pas l'avoir. J'ai envie de casser les choses. Ok, ok, ok. Les trois arbres sont revenus. Les trois arbres sont complètement identiques.
Et ils sont équidistants. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je comprends pas. Je vais devenir fou. C'est censé être faisable par des enfants de 8 ans. On rappelle, des oiseaux, mettre des graines. Non, sérieusement, est-ce que c'est un truc logique ou quoi? Je vais tout tester. Ok, vas-y. Je suis un enfant de 12 ans. Arbre. Oh, les 7 différences. Faut jouer aux 7 différences. Faut faire des zigzags comme ça. Voilà, c'est une course, tu fais des zigzags comme ça et à un moment il apparaîtra. Hop. Hop. Il faut faire du vent. Il faut lancer des armes pour que ça fasse un but. Il faut mettre des pommes. Il faut les arroser, mais là il pleut. Il leur faut de la chaleur. Attends, on va leur donner des pommes. On fait des petits guillis à l'arbre. On fait des petits guillis à l'arbre. Putain, qu'est-ce que le jeu veut que je fasse? Tu veux que je te prenne en photo? Voilà, c'est sauvegardé. Ok, il y en a deux. Les deux là sont du même sens. Lui, il veut que je mette les arbres dans le même sens. Il faut que les trois soient identiques. Il faut que je tape l'intrus. C'est toi l'intrus, il faut que je te tue. Boum, j'ai gagné. Ok, il faut que je tape tous les arbres et que je mette le fagot de bois devant eux. Je le mets là devant eux là. Hop, hop. On met ça ici. Hop, et voilà. Je pars pas tant que je réussis pas en fait. Il y a un mur invisible genre. Je suis sûr il y a un truc invisible à la Dark Soul. Tu rentres dedans genre. On va attendre jusqu'au matin. Les arbres vont repop. On va faire matin, midi et soir. On va attendre à minuit. Je vais taper dans mes mains. Je vais faire 3 tours sur moi-même. La lune rouge, boum. On n'avait pas testé la lune rouge non plus. Let's go. Ah ouais, la lune de sang. Ah putain, mais les arbres sont pas revenus. Par contre, il y a des fleurs. Il faut qu'il n'y ait plus rien sur le truc. Ni les arbres, ni les fleurs, ni les mauvaises herbes et tout là. Ce qui serait extrêmement logique. Pour un enfant de 8 ans, ce serait logique. Il va tout casser là. Voilà, plus de nature. Voilà. Tu pop. Putain, il en reste ici. En fait, faut tondre de la pelouse. Oui, non, c'est normal. Rien à voir avec les 3 arbres. Bah, y'a plus rien. C'était de l'autre côté. Les arbres sont revenus là-bas. Je pense qu'il faut que je fasse les 3 arbres identiques. Putain, mais ils sont apparus identiques là, encore une fois. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je les ai coupés à l'épée, peut-être qu'il faut que je les coupe à la hache. Mettre des œufs dans les arbres. Ouais, j'ai des œufs. Ok, mais personne grimpe et met des œufs en fait. Tu veux t'envoler? Il veut peut-être voler? Il veut des glands. Ok, il faut analyser l'arbre. Ok, les mobs disparaissent devant moi. Mais attends, il a disparu parce qu'il y avait un portail genre de fou furieux? Tridimensionnel? Ou c'est juste un bug du jeu? On entend des oiseaux. Non, il faut que j'y brûle les arbres. On brûle l'arbre. Ça marche pas. Brûle ça, ça marche pas. Ok, on suit les braises. Oui, c'est juste le putain de vent en fait là. Hein. Non mais là, les braises vont dans le sens du vent. Donc, 3 arbres. Arbres, graines, 3 racines, feuillage, nature, arbre, oiseau, pomme, Adam et Ève, un serpent, une pomme et un serpent. Non, il y a 3 arbres, il faudrait 3... Il faut que je les coupe avec l'épée de légende. Ah, oh, il faut que ça fasse un chemin et qu'ils se lient entre eux. Je suis con. Je crois que je suis con en fait. Ça va faire une heure que je suis là en fait. Hein. Les éléments qui m'entourent, c'est quoi? On est sur de la hauteur. De la hauteur. Il y a quoi en hauteur? Il y a des trucs volants, comme les aigles. Et 3 arbres donnent 3 troncs. Y a pas d'emplacement pour mettre les troncs. Je pense que je peux juste recharger la partie by the way pour les arbres. C'est forcément les 3 arbres.
arbres. Le designer ne fait pas l'erreur de faire trois arbres collés comme as. Un avec des fleurs jaunes ici. Niveau de l'ombre, c'est comment? Et un aigle là qui passe. Si je le tue, il se passe quoi? On saura jamais. Il y a un arbre avec des fleurs, les autres n'en ont pas. Donc c'est lui l'intrus. Niveau orientation, c'est presque la même chose. J'ai compris. Il faut que je les tue dans le bon ordre. 1. Lui est plus proche de la fleur. Donc 2. Et 3. Et c'est GG. Il faut les détruire tous en même temps parce qu'ils sont justement des triplés. Donc je vais faire ça comme ça. Trois viandes comme trois arbres. Trois viandes sur chaque arbre. Je vais les nourrir. Hop. 1, 2. Il est pas arrivé par hasard le sanglier. Et 3. Et hop. Il faut que je fasse cuire la viande. Il aime pas quand c'est cru. Quand c'est cru. Je vais vous faire cru et cuit, ça fait cru. Ces trois arbres regardent la mer. Genre ils ont envie de. Ils ont envie d'aller à la mer en fait. On va les envoyer à l'eau en fait. Ok. Ils ont besoin de reprendre une autre vie en fait. C'est bon, il est tombé dans l'eau. Et voilà. C'est bon. Je vous jure, j'ai tout fait. Je vous jure, j'ai tout fait. Je vous jure, mon jeu est bugué. Je vais regarder la soluce. Mon jeu est bugué. Ah, mais ma caméra ne marchait pas depuis combien de temps, là? Ça fait toujours plaisir quand ça fait ça. Ok. Bon, je viens de voir la solution. C'est en effet... ici. Je suis désolé, j'abandonne. Sortez des gorges et dirigez-vous vers le nord au sommet d'un talus rocheux. Vous pourrez voir trois arbres parfaitement alignés. Oui. Comme à l'accoutumée, enlevez les pommes en trop de l'arbre du milieu pour qu'il soit identique aux deux autres et le couroucou apparaîtra. Y'a plus de pommes! Comment je fais pour réapparaître les pommes? Je pourrais plus jamais l'avoir. Donnez les pommes, hein. S'il n'y a pas les pommes, je suis fucked, hein. Mais. Mais gros. Y'a plus de pommes! Y'a plus de pommes! J'ai lose. Le jeu, je peux plus le finir. Donc là, le jeu, je peux plus le finir. Allez, ciao. Allez, hop, hop. Fermer, créer le logiciel, archiver le logiciel, archiver. Allez, ciao! Allez, on va jouer à Mario Kart. Hola, muchachos! Tu cherches à acheter des jeux vraiment pas chers pour ton PC ou tes consoles? Je sais où il faut aller. Va sur Google et tape Instant Gaming. Moi, je l'ai mis dans mes favoris parce que j'utilise ce site très souvent. J'ai déjà économisé plus de 500€ sur le site. Et c'est pas un site de merde où il te refout que des vieux jeux. Non, c'est des jeux extrêmement récents. Dès qu'ils sortent, ils sortent en même temps sur le site et c'est insane parce que t'as déjà moins 37% par exemple sur Days Gone. Donc rien de plus simple, tu vas en bas de la description et dans les commentaires tu auras le lien pour le site. Et si tu recherches un jeu en particulier, évidemment, tape la recherche dans la barre de recherche tout simplement. Moins 85% sur les Sims 4, ah oui quand même. Mais ce n'est pas tout, il y a encore un giveaway complètement gratuit. Le lien se trouve dans la description ou dans les commentaires de la vidéo. Tu cliques et tu choisis le jeu que tu veux ou n'importe quoi. Moi par exemple dans la vidéo précédente pour l'exemple, j'avais mis un mois d'abonnement. Je crois que c'est même 2 mois d'abonnement pour World of Warcraft. Tu peux choisir plein de trucs sur le site. Donc have fun, il reste plus beaucoup de temps. Et évidemment même si tu ne gagnes pas, t'as quand même un bon de réduction sur ton prochain jeu. Donc tout... t'es good. Merci Instant Gaming pour le sponsor. Je vous dis à très bientôt. À la prochaine. Ciao.